Bonjour! Bonjour! Nouveau live à l'improviste, on adore! Alors attendez que je regarde. Est-ce que ça fonctionne? Déjà attendez, je fais un test parce que là, il y a YouTube qui me fait de la merde. Salut, bonsoir, Tetralox, pourquoi YouTube me fait de la merde? Il y a ma chaîne YouTube qui fait de la merde là. Pourquoi ça fait de la merde là d'un seul coup là? Ça faisait pas de la merde ce matin, ça fait de la merde aujourd'hui. Ça commence à me gonfler ça. Est-ce qu'il y a des gens Est-ce qu'il y a des gens là? Ah ouais d'accord, en fait les messages ne s'envoient plus. Attends. YouTube ne veut plus recevoir les messages donc c'est quand même formidable, j'ai envie de dire. Oui, ça marche. Bah, pas sur YouTube, hein. Ça, pas sur YouTube en tout cas. Il y a Restream qui ne veut pas. Donc, bah, on va faire un truc. Ça va être très simple. Ouvrir le chat dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Hein, on va pas se casser le cul. Si YouTube ne marche pas, et ben on va garder une petite fenêtre au cas où. Parce que là, attends, si je fais un test là, si je marque test ici, est-ce que ça va, est-ce que je vais la recevoir? C'est ça la question. Parce que si je la reçois pas, bah ça veut dire que ça ne sert à rien en fait. Sachant qu'en plus, il y a un mec qui est connecté en ce moment même. Et on ne reçoit rien. Si on reçoit quelque chose, mais c'est de la merde. Bon, on va juste. Voilà, mais regarde-moi ça. Je peux même pas envoyer, mais je reçois les messages. Faut peut-être arrêter de déconner. Bon, je garde le chat. Je garde le chat pour l'instant, voilà, et puis si jamais ça marche, voilà. Au pire, Tetra, si tu peux faire un petit tour vite fait sur YouTube pour envoyer un message test. Parce que clairement, là, j'ai pas très confiance, j'ai pas trop de confiance envers Restream, là. Donc, si possible. Et nous, en attendant, bah, on va aller sur Etheria. Alors, attendez, c'est peut-être pas mal que je vous mets le jeu. J'ouvre, ok. On adore les lives catastrophiques. Ah, bah, Tetra, t'es déjà connecté en plus. Bon, allez, bon, du coup, les gens, bienvenue, du coup, pour l'épisode 2 de Viking Survivor. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné dessus, les gens. Je peux complètement vous l'expliquer, les gens. Tout simplement, en fait, que bah, j'avais fait le tour, en fait. Les gens, j'ai quasiment fait le tour. Message test. Ok, je vois les messages test. Par contre, je ne peux pas en envoyer. C'est formidable. SLT, bonsoir, du coup, Tetra. Bon, du coup, c'est vrai que ça fait énormément longtemps que j'ai pas refait de live sur ce serveur, les gens, pour la simple et bonne raison en fait que bah ça j'avais fait le tour en fait, les gens, y a pas à dire en fait. J'ai complètement fait le tour du serveur donc il n'y avait plus rien à faire. Bonjour, toi, bonjour, Brémo Dorian Ster Family, comment ça va? J'ai complètement démoli ton pseudo, mais c'est pas grave. Comment ça va? Bienvenue. Alors, ah oui, c'est vrai. Alors, du coup, les gens, que je vous explique, parce que là, vous êtes en train de vous dire, là, mais c'est quel est donc ce nouveau défi? Qui ose donner un nouveau défi à la team Etheria? Et bah, c'est tout simplement Raphaël, un streamer, voilà, un streamer Twitch, dont je vous invite à aller le follow. Voilà, qui a balancé ce défi, en gros. On va devoir rénover l'end en un monde, en un overworld, en fait. Et donc pour cela en fait bon, on est en train de farmer depuis un bon moment déjà bah, plein de ressources. D'ailleurs attends, je vais juste baisser le son à 25, ce sera pas mal. Donc du coup ça fait un petit moment déjà, ça fait un petit moment hein. J'y suis retourné sur le serveur mais je me suis dit bah je vais tourner en rond, voilà, ça va-t-il? Et bah ça va très très bien. Ça va très très bien et toi bienvenue à toi sur ce stream, voilà, de Viking Survivor. Alors si tu ne connais pas en fait, mon cher Grémo Dorian, c'est tout simplement en fait une série. C'est une série que j'avais commencé sur Twitch, voilà, et puis bah vous avez été quand même fortement nombreux à apprécier cette survie. Moi j'ai quand même adoré faire cette série.
Et puis j'avais arrêté, il y a eu un moment parce que bah tout simplement que on avait bah j'avais arrêté parce que tout simplement j'avais fait le tour quoi les gens, j'avais fait le tour, il y avait plus trop de projets à faire de mon côté. À part aussi à avancer avec la ville, le village Okami du coup, qui est donc bah, le village que je faisais avec Speedew et Super Éponge. D'ailleurs, petite nouvelle, Speedew, Super Éponge et Tetralox. D'ailleurs, quelques petites nouvelles qui sont tombées. Tetralox nous a quittés. Voilà, merci beaucoup Tetralox. Tu es pas très très gentil. Voilà, de nous quitter ainsi. J'ai envie de dire. Voilà, les bénéfices descendent depuis que tu es parti. Donc voilà, t'as beaucoup d'atouts, je trouve, c'est très bien. Bah merci, merci, merci beaucoup. C'est. Mais après, j'ai envie de dire que c'est quand même bah oui, clairement, c'est des années de taf quand même pour en arriver à ce point quand même. Surtout qu'en plus, depuis que je me suis mis à refaire du Minecraft Wii U, bah j'ai touché une grande partie de la communauté. Yes, d'accord, j'adore les cisailles. Donc clairement ouais ça j'ai quand même bien été aidé en plus. J'ai quand même bien été aidé et en plus de ça bah on m'a fait de la pub par-ci par-là donc clairement on peut dire que ouais on m'a un petit peu aidé. Même si on est quand même pas mal à même si la plupart quand même de mes abos que je connaissais dans le temps bah a arrêté de regarder ma chaîne parce que bah ils ont plus de temps et tout ce qui est compréhensible j'en fais de même avec certains youtubeurs voilà ça fait longtemps que je les ai pas regardés voilà personne n'est parfait personne ne peut regarder tout le monde c'est impossible que tu puisses regarder tout le monde donc c'est compréhensible. Si t'as besoin d'aide, tu peux toujours demander. Ouais, bah t'inquiète, Tetra. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Merci du coup de la proposition. Mais pour l'instant, ça va. Je me débrouille. Et là, je vais mourir dans quelques instants. Va falloir que tu viennes me chercher. Tu sens venir la connerie là. Tu gagnes de l'argent ou non sans un discrétion? Non, non, non. Bah, je pourrais gagner de l'argent. En effet, je pourrais gagner de l'argent. Mais seulement via Twitch en fait. YouTube. Aussi, sauf que YouTube c'est beaucoup plus strict que. C'est beaucoup plus strict en fait que Twitch en fait. Parce que YouTube c'est vraiment du droit d'auteur et compagnie donc. Bon, j'ai envie de dire que c'est vraiment un peu un métier tu vois. C'est vraiment un vrai métier. Tout comme Twitch j'ai envie de dire. Ok, qui me veut lui? Pourquoi tu me tapes toi? Tu t'as rien fait là? Non mais oh. Mais non, non. Non, non, pour l'instant, je ne gagne pas d'argent, tout simplement que YouTube, du coup, il faut avoir quelques critères, comme par exemple avoir 1000 abos et faire 1000 vues au moins sur une vidéo. Voilà, commencer à avoir 1000 vues, et après, c'est selon le nombre de vues que tu fais, après, qu'ils vont te payer tant, tant, tant. Voilà. Donc, clairement, quand tu as très peu d'abonnés et que tu fais genre 100 vues, bah, clairement, bah, tu te dis, bah, ça sert à rien, en fait. Voilà, fais juste YouTube par passion, et puis c'est tout. Mais sinon après qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je peux dire d'autre après bah tout simplement que bah après si du coup ouais je pourrais gagner de l'argent avec Twitch sauf que j'ai décidé quand même de rester indépendant parce qu'avec toutes les restrictions que Twitch vont commencer à faire je me dis que bah non en fait ça sert à rien que je commence à gagner de l'argent puisque ça va terminer en YouTube 2.0 donc je ne fais rien pour l'instant avec Twitch et j'ai loupé mon Under Pearl. J'ai rien dit. Donc voilà, c'était quelques petites nouvelles par-ci par-là. Je pense que je vais remettre je pense que je vais remettre mon shader de ce matin aussi. Attendez, pack de ressources, non c'est pas là. Option graphique, shader. Merde, je l'ai mis le interne. Je l'ai mis le interne. Je suis con. Je suis très con. Je veux Sildrus, le Sildrus Vibrant Shaders. S'il vous plaît. Voilà. Ah. Ah, c'est beaucoup plus joli là. C'est joli. C'est mieux. Yo Toto, comment ça va? Bienvenue sur ce stream. Bienvenue sur ce stream. Ça fait énormément longtemps que je n'ai pas relancé de série sur ce serveur. J'ai plus de torches. C'est formidable. Bienvenue du coup. Voilà, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Comme tu peux le voir, on charbonne. On charbonne, on charbonne. On est en train de farmer.
On est en train de farmer du coup, bienvenue du coup, parce que ouais mon cher Toto, tu n'as pas connu du coup Viking Survivor toi. Je me trompe? À moins que je me trompe et que t'as connu Viking Survivor du coup. Mais non, normalement si tu n'es pas abonné à ma chaîne Twitch, tu ne dois pas connaître Viking Survivor. Alors que je te fais un petit récapitulatif en fait. Viking Survivor en fait c'est une survie que je fais sur Etheria du coup. Que je fais sur Etheria et donc Etheria du coup qu'est-ce que c'est? C'est un serveur qui est entretenu par Viking du coup et son équipe aussi, son équipe de modération. Salut Cricri, au revoir Cricri. Et puis en gros, non je connais pas, tant pis, nickel et toi, et bah ça va très bien. Et donc du coup, Viking Survivor du coup, bah c'est une survie sur Etheria qui est hébergée par Viking du coup, le poteau. Un poteau. Et aïe. Il me fait mal lui. En plus il se TP là. Underman de merde. Boum. Tout ça pour des os quoi. Sérieux. Et donc du coup, bah, notre but en fait c'est tout simplement une survie collective avec plein de gens. Donc il y a des streamers, il y a des youtubeurs, il y a des non-streamers et tout. Et bah, j'avais arrêté cette série. Tout simplement parce que bah, j'avais fait totalement le tour en fait de la série. Et donc du coup bah j'ai décidé. Et donc du coup bah j'ai décidé de mettre pause. Jusqu'à ce que il y a pas longtemps de cela, le streamer Raphaël du coup a lancé le défi du coup enfin un défi le défi à tout le monde en fait. Et je peux venir. Alors alors si tu veux venir en fait Teuteu, bah ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser dans ce cas-là, il faut s'adresser directement à Viking. Et bah c'est un serveur privé quoi. C'est un serveur privé donc clairement si tu veux venir bah clairement voilà quoi je ne peux rien te dire de plus quoi. Voilà, donc si tu veux aller le voir et bah il faut que tu ailles demander à Viking du coup. Mais surtout qu'en plus c'est sur Minecraft Java. Et qu'en plus il faut passer sous forme de candidature je crois. Mais bon voilà. Donc du coup on a un nouvel objectif du coup les gens. Alors on est en train de farmer je suis en train de farmer depuis pas mal de temps. Du coup les gens, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qui a changé. Déjà, j'avais dit du coup Tetralux nous a quittés et voici sa maison. Voilà, c'était son ancienne maison. Je peux passer la nuit. Ouais Tetra. Ouais Tetra, tu peux passer la nuit, t'inquiète, pas de souci. Et donc du coup, bah du coup c'est la maison à Tetra. Elle est en ruine. Je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas voilà. Ça du coup c'est ma maison du coup, donc ça a été quand même. Ça a été quand même. Salut à Zach 3 du coup, bienvenue aussi. Mais du coup, voilà ma maison. Donc, la série en fait a surtout été l'objectif du coup. La maison en fait a été l'objectif bah, de toute la série. Clairement, on a passé quand même du bon temps, voilà, à discuter, farmer et compagnie. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié de faire cette maison. Donc, clairement, est-ce que j'en referai une autre? Sûrement dans la prochaine saison, qui arrivera, parce que ouais, Etheria du coup réouvrira pour une prochaine saison, mais ça c'est dans très longtemps, parce que Viking a dit qu'il voulait laisser tout le monde terminer leur projet, et bah du coup c'est pas pour tout de suite, étant donné que on a du coup le, étant donné que du coup on a l'objectif de l'end. Est-ce qu'on a encore. Est-ce que j'ai encore de la place dans ce machin? Et comment vas-tu, Azak 3? Oui, pardon, quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Hey, le viseur de sud, là, ça va, les anti-coups, là? Merci. Putain. Ouais, on a clairement encore de la place, donc on va récupérer ça et on va s'en aller. Alors, ouais, donc là, je suis en armure de fer, là. Clairement, je suis en armure de fer, c'est ma tenue de farm. Je pourrais prendre aussi mon armure en diam, ce qui est ici, voilà, c'est du full P3, P4 au niveau du truc. On va juste enlever le pack de ressources parce que là, je crois que c'est ça qui fait lag, qui me fait lag en fait. Mais du coup, voilà. Du coup, on a un nouvel objectif, du coup, les gens, c'est de farmer plusieurs types de ressources. Alors, je vais essayer de vous les redire. De toute façon, je crois qu'il l'a mis dans le. Je crois qu'il s'est mis dans le projet End. Voilà. Alors, on doit farmer la cobble, la stone, l'endstone, le bois, le seau d'eau, la terre et les arbres. Donc,
Moi, je suis en train de farmer les arbres depuis un petit moment déjà. Donc on a quand même bientôt 4 stacks de bûches. On a toute une boîte de shulker remplie. Ce qui est quand même assez pas mal. Donc du coup, bah, pour ça, bah, j'ai utilisé les haches, quelques fers qu'il y avait dans mon coffre et tout, pour pouvoir avancer. Voilà. C'est vrai que j'avais fait aussi un espèce de petit setup aussi dans le temps où j'avais mis la carte. Mais c'était il y a extrêmement longtemps, c'était encore à l'époque où j'avais pas la facecam. Quelle belle miniature. Ouais, merci fois de le. Merci X de le poulet, ça fait plaisir. Bienvenue à toi du coup dans Viking Survivor épisode 12. Donc c'est une série survie Twitch que j'avais fait, voilà. Un peu à la Holy Cube si tu veux. Un peu à la Holy Cube si tu veux. On en a d'ailleurs parlé ce matin des saisons qui vont arriver, donc Celestia, Holy Cube et compagnie, hein. Voilà, je t'invite à aller voir la rediffusion si c'est pas déjà dit. C'est qui ça? Ah bah Yesh, y'a Tetra là-bas. Y'a Tetra qui farm, c'est formidable ça. Voyez quoi, comment on est tous déterminés à vouloir faire cet objectif. Du coup, que je te fais un petit topo, X de le poulet, bah après tu peux aller. Tu peux aller voir du coup toute la playlist qui se trouve sur ma chaîne tertiaire avec Knarfomagd, si tu veux en avoir des explications sur la série. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne peux pas rejoindre étant donné que c'est un serveur privé. Voilà, donc si tu veux le rejoindre, après il faut contacter du coup l'administrateur qui est donc Viking. Merde, attends, je suis en train de faire ça avec la hache depuis tout à l'heure, je suis con. C'est avec ça qu'il faut que je coupe, moi. Voilà, ah bah là ça va plus vite là. Et donc du coup là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de farmer les arbres. Les arbres entiers. Et merci Lazar Live qui nous a rejoint sur Twitch. Merci d'être follow. Comment ça va Lazar? Attends, mais ça fait longtemps en plus Lazar. Ah, c'est incroyable ça. Il y a des revenants. Comment ça va Lazar? Comment ça va Lazar? Merci à toi pour le follow. Ça va très très bien. Écoute, bah, je douille dans la co parce que... Parce qu'il y a Orange qui me fait du caca depuis quelques moments déjà. J'avais réussi. Attends, attends, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trucs par-ci par-là? Je crois qu'il y a des petits trucs que je voudrais pas, mais non, en fait. Non, ça va, ok, d'accord, bon, bah, voilà. Donc, comment ça va, mon cher Lazare? Ça fait longtemps qu'on s'est pas revu. Je crois que la dernière fois que tu étais venu, en fait, je crois que c'était au moment où je continuais à construire ma maison en spawn. Il me semble. D'ailleurs, il me semble que t'étais abonné aussi. T'as Tesla 1.16. Pas pour l'instant, Teuteux. Pas pour l'instant, Teuteux. Je n'ai pas encore Tesla 1.16 qui m'attaque. Toi, ok, d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas encore Tesla 1.16. Pour l'instant, Teuteux, tout simplement parce que j'attends la 1.16.2 pour que je puisse jouer sur une version stable. Tranquillement, je me pose là. Et bah, pose-toi bien sur mon live, du coup. Installe-toi bien. Voilà, prépare-toi un petit café si tu veux, n'importe quoi. Voilà, des petits cookies si tu veux. Bienvenue du coup dans ce live chill détente. Il manque juste la musique et ce serait parfait. C'était avec mon autre compte, je suis sur mon compte live là. Ah d'accord, ah oui, c'est vrai. Oui, c'était... Attends, c'était Lazarus. Je m'en souviens de tout, moi. Je me souviens de tout. Dites-moi si ma luminosité aussi au niveau de ma cam est bonne aussi, les gens. Parce que sinon après, je peux allumer ma lumière. Attendez, si j'allume ma lumière, je pense que ce sera mieux pour vous. Voilà, est-ce que c'est mieux pour vous? Bah oui, clairement là. Clairement, clairement. Voilà. Alors du coup, mon cher Lazare, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, je suis en train de farmer pour le projet de laine et j'ai encore cassé une cisaille. C'est formidable, j'adore les cisailles, c'est super solide. Le lézard rouge. Ah! Ah oui, c'est vrai, t'avais changé entre-temps, je crois, de pseudo. Ouais, je m'en souviens très bien maintenant. Je m'en souviens, effectivement. Hop, alors touc, voilà. Donc on coupe encore des arbres, c'est vraiment du chill en fait, cette série, voilà. Donc voilà. Bon, Lazare, bah en fait tu es déjà sur Etheria, donc j'ai pas besoin de t'expliquer le concept. Je pense que ça sert un petit peu à rien. Oui, clairement, clairement, clairement. Donc bah voilà. Donc mon cher Lazare, du coup je suis en train de farmer pour Raphaël, du coup pour le projet de laine. Pour le projet de laine. Est-ce que tu le feras d'ailleurs le projet de laine? Normalement, oui. Si je dis pas de bêtises.
Je voudrais aussi savoir celui qui a totalement vandalisé ce pauvre village PNJ qui n'avait rien demandé, sûrement. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Je pense, oui, ok. Je pense que ce sera cool. Et en vrai, si on est pas mal, Tony. Ah, yes! C'est Tony qui a ravagé le village. C'est nickel, ça. C'est incroyable. C'est impeccable, ça, alors. Pas en live, mais prévu. Ok. Eh bah, cool alors pour toi. Moi, oui, effectivement, j'ai prévu de stream l'événement. Parce que, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre la série à partir de là où je l'avais laissée. Malgré qu'il y a eu quand même une grande absence. Parce que, bah, on fait très vite le tour, hein, quand on fait une partie de survie. Surtout que, voilà, quoi. Clairement. Clairement, voilà. Bonsoir, tu réponds pas au MP. C'est que. Attends, tu m'as envoyé des MP? Parce que moi, j'ai rien reçu, moi. J'ai rien reçu, moi, c'est bizarre. Bizarre, bizarre, ça. Faudra quand même que j'aille voir ça. Discord. Pourtant, normalement, je reçois tout. C'est bizarre quand même que je reçois rien de ta part. C'est un peu bizarre. Faudrait que je regarde ça, mais franchement, moi, j'ai rien reçu. Putain, j'ai loupé mon underpearl. Fait chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, hop. Oh, putain. J'adore les cisailles de Minecraft tellement qu'elles sont solides. C'est incroyable. Allez, hop, et on continue. Et on continue, on continue. Là, ici, Touk, encore une petite underpearl. Te foire pas, s'il te plaît. Non, pourquoi ça lag? Ah, ça y est bon. Allô? Ouais, c'est bon. Ah, il y a des petits coups de lag. Cisaille Mending. Oh, le génie, j'avais oublié! Ah, j'avais oublié qu'on pouvait mettre Mending aussi sur des cisailles. Putain, c'est vrai que j'avais pas pensé. Oh, mais le génie. Lazare, tu es un génie. Tu es un génie. Après 6 ans d'expérience sur Minecraft, je ne sais, je ne me rappelais plus de ça. C'est une honte pour le joueur français, du coup, qui ne se rappelait plus de ce fabuleux enchantement, dont toute son armure en diamant est constituée de ça. C'est incroyable. La honte du joueur français, c'est moi qui te le dis. Serve public. Non, ce n'est pas un serve public, c'est un serve privé. Possible de rejoindre, mais dans ce cas-là, faut que tu contactes du coup l'admin du serveur qui est donc Viking. Voilà. Et de toute façon, après, y aura un test de confiance et tout après. C'est vraiment un serveur chill, quoi. Tu vois, faut vraiment pas de kikou, en fait. Voilà. Bon, après, c'est sûrement pas ton genre, mais moi, voilà, quoi. Je préviens avant. Il y en a à vendre chez Tony à côté. Oui, je sais, bah justement, oui, c'est. J'en ai acheté des livres Mending, mais c'était pour mon armure en diams, en fait. C'était pour mon armure en diams. Voilà. Et est-ce que j'ai un petit peu la flemme d'aller en lui donner, en lui rede, en racheter? Oui, très clairement. Très clairement. On va pas se le cacher que j'ai un petit peu la flemme. Ah non, par contre, ça, je récupère ça, merci. Non, mais ça, j'en veux pas, par contre. Ça, encore moins aussi. Voilà. Faut combien de feuilles? Ça après c'est une bonne question Tetra, faudra redemander à Raphaël. Ou alors pose la question dans l'aine. Pose la question dans l'aine parce que c'est une bonne question. C'est vrai que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Oh putain, fais chier! Mais je fais que de louper, ça fait chier! Mais je vais mourir en plus! Qui fait pas plaise. Je go dodo. Ok, bah vas-y, Tetra, hein, du coup.
Plein, il en faut plein. Ok, bon bah, il en faut plein, Tetra. Il en faut plein. Allez, hop. Oh putain, il m'a encore envoyé à l'autre bout du monde. J'arrive vraiment pas, hein. J'arrive vraiment pas à monter sur cet arbre. Alors clairement, bah, j'abandonne. Voilà. Tout le monde est en train de dormir. Ok. Donc ça c'est pas mal. Ok, là-bas il y a un zombie qui veut tenter de me faire la peau. Vas-y, viens là. Attends, tu permets que je mange avant? Voilà, merci, t'es gentil. Voilà, merci. Là, on a encore des feuilles. Alors, est-ce que je peux en remplir? Oui, j'en remplis. Eh, je vais vraiment avoir. Aïe! Merde! Merde! Voilà. Ça te dit jouer sur Funcraft après? Ouais, non, merci. Non, merci. J'ai envie de rester sur cette survie pour l'instant. Donc, clairement, j'ai pas la tête à aller sur Funcraft. En plus, ce n'est même pas Funcraft en plus. Ce n'est même pas Funcraft que ça s'appelle maintenant. Je l'appelle TF1. Parce qu'il y a tellement de kikous qui font leur pub pour leur chaîne YouTube et tout ça, en fait, que t'as l'impression que t'es sur TF1, en fait, avec le nombre de pubs qui te ramènent, en fait, TF1. Donc, voilà. Donc, moi, maintenant, ça s'appelle TFCraft. Voilà. J'ai rebaptisé le serveur TFCraft. Voilà, j'aurais pu aussi l'appeler le serbe de libre, mais je me suis dit non, 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 il faut peut-être pas abuser au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter de déconner avec les conneries. Voilà. Bon. Bon, je termine cette cisaille et puis bah, je vais aller remplir du coup les coffres qui sont dans le stronghold du coup. Allez! Allez, arrête de lag. Merci. Voilà. Et on termine avec celui-là. Allez, on coupe un arbre. Alors, je vais essayer de live jusqu'à 23h. Donc, clairement, ça nous fera 1 heure de live. Je pense que ce sera déjà pas mal. Après. Quand est-ce que je vais continuer l'aventure en live? Bah déjà, je continuerai bien sûr en off parce que y a quand même beaucoup de choses à farmer. Vous pourrez aller bien sûr aller voir tous les autres membres de la team Eteria, bah Viking, Lazare aussi qui fera des Twitch sûrement de temps en temps. Raphaël, bien entendu, c'est lui qui a proposé l'idée, donc pourquoi il ne ferait pas de live pour son projet et compagnie, et après tout le reste de la clique de toute façon, donc voilà. Alors, du coup, est-ce que je l'ai rempli? Pas encore. Donc, bah, on va continuer. Tac tac, Wizbot, ok, donc c'est le petit Wizbot, le petit Wizbot. Je verrai après les gens. En vrai, j'ai repris tranquillement là. Ouais, donc voilà. Ouais, donc voilà quoi. Donc Lazare, je pense qu'au bout d'un moment, tu feras quand même des lives sur Etaria. Je pense que ça sera génial. Qui m'attaque? Toi là-bas. Tu crois que je t'ai pas vu là? Viens là. Le sang, la calotte. Le Joe, le David. Voilà. Le sang, la calotte. Donc ouais Lazare, je pense que ouais tu vas faire quelques petits lives sur Etaria aussi je pense. Selon tes disponibilités. J'en ai fait semaine dernière. Ah! Bah ah j'ai dû ah ou alors je bah c'est bizarre, j'ai pas reçu la notif. Ah, ou alors à moins que j'ai reçu la notif, mais c'est que j'étais pas dispo pour venir voir. Donc, rip. Bah, du coup, tu penses que tu referais un live quand pour Etheria? Du coup, comme ça, bah, on verra. Hein, on verra bien, du coup. Clairement, je peux encore me refaire des arbres. Donc, est-ce que je pourrais m'en faire un de là? Il y en a un isolé.
Va y en avoir d'autres. Ok, donc ça c'est. Ok, donc. Bah, j'espère que je les louperai pas, du coup, ceux-là. Semaine prochaine, peut-être. Ok, d'accord. Bon, bah, je note ça et puis j'essayerai d'être là, du coup. Selon mes disponibilités. Ça dépendra quel jour, d'ailleurs. Oh, il y a une jungle là-bas! Ah non, attends. C'est une implantation. Yes, ok, j'ai fini le machin, c'est très bien. On n'a plus besoin de ça. Du coup, on va remplir la shulker qui reste. Et c'est impeccable. Je fais un tour du coup dans l'end et on va être bon du coup pour les arbres, je pense. Après, je sais pas trop combien il y a de stacks déjà de farmer. Mais si Tetra s'est mis aussi au farmage. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Attends, je suis où par contre? Ah merde, attends, faut que j'aille là-bas. Complètement perdu. C'est vrai que j'aurais pu me mettre la map aussi, mais flemme de l'ouvrir. Ça se trouve, je vais pas dans la bonne direction en fait. Bon, je verrai bien. Au pire, bah, je referai demi-tour. Hein. Ça sera un petit tour complet. Puis bah, j'aurai sûrement découvert une petite zone. Je suis pas sûr quand même que c'était dans une forêt. Attends. Bon. Par rassurance, on va ouvrir un. On va ouvrir la dite map. Voilà. Alors, je suis où là? Je m'en vais où là? Je suis là. Mais où est-ce que je m'en vais alors? Je m'en vais où là? Attends, si je bouge comme ça là. Ok, je m'en vais de l'autre posé. C'est nickel. C'est impeccable. C'est de l'autre côté, c'est bien ce que je me disais, ouais. Demi-tour, c'est de l'autre côté. Merci Tetra. On peut toujours compter sur le modérateur Tetralox. Tout le monde a envie d'avoir un Tetralox pour modérer les lives. Surtout pour vous guider, hein, au cas où que vous savez pas où vous êtes. Il sera toujours là pour vous, hein. Voilà, exactement. Exactement. Ouais, attends, je suis en train de me repérer là. C'est là-bas. Ah! Putain, si Sudomax serait là, il aurait fait un beau truc là, un bon pack de Sunborn. Modo GPS, ouais, c'est ça. C'est plus le TomTom, c'est le Tetra. C'est le Tetralom. Voilà. C'est le Tetralom maintenant. C'est formidable ça. Oh putain, la maison là-bas, je l'ai pas vue encore. Attends, je suis obligé. Je suis dans l'obligation d'aller visiter cette maison. Ah. Lazare qui m'envoie deux smileys identiques dont je ne connais pas l'existence. Voilà, et que bah, je ne saurais pas jamais. Mais par contre, ça. Oh, mais c'est magnifique, ça! Oh, je veux savoir qui est le propriétaire de ce magnifique bâtiment. Ah, je me permets de visiter quand même. Et oh. Et double lit, ok. À l'étage, on a quoi? On a un grenier. Mais c'est formidable, ça! Mais j'adore cette personne. Je veux à tout prix savoir qui est la fabuleuse personne qui est ici. C'est de sa chaîne. Ah, d'accord. D'accord. D'accord, je vois. Ah oui, d'accord, oui, parce que toi, tu... Oui, parce que Lazare est affilié, parce que... Et du coup, il peut faire ses propres emotes. Ça, c'est formidable, ça. Moi, je suis pas affilié. Voilà. Et je suis pas seul à sa chaîne, aussi. Je préfère mieux regarder des vidéos sur YouTube. Ça coûte moins cher. C'est pas l'hashtag radin, mais c'est plutôt l'hashtag indépendance, tu vois. Oh, mon live fait de la merde. Bah ça change pas, dis donc. Ça viendra. D'accord. D'accord, et bah... Oui, un jour ça viendra, sûrement. Ça viendra un jour, je relâcherai mon indépendance et que je deviendrai du coup...
Dépendant à Twitch. Mais pour l'instant, j'ai tout mon temps devant moi. J'adore ce plan-là. Ça fait vraiment scanner Dégâts France tout Lyoko. Voilà, c'est bien. Alors, oh putain, c'est qui a fait la malheureuse faute? J'adore parce que j'ai un long pseudo et du coup, vu qu'il y a des majuscules et des minuscules, bah tout le monde me l'écrit sur n'importe quelle de n'importe quelle forme en fait. Donc là, par exemple, il y a que le D majuscule et après le reste c'est tout en minuscule. Parfois, il y a D, G et F en majuscule et puis après tout le reste en minuscule. J'adore, j'adore vraiment. Ça m'a toujours fait chialer de rire avec tous ceux qui écrivaient mon pseudo. J'espère te raid. Eh bah ouais, un de ces quatre, ouais, c'est vrai que un petit raid ferait plaisir, ferait un grand plaisir dans ce cas-là. Mais faudrait vraiment que j'arrive à. Il faudrait vraiment que je stream de manière stratégique, tu vois. C'est que. What? Ok, d'accord. Ah, bonsoir! Attends. Bonsoir, vous! Ça fait longtemps que je vous ai pas revu, vous. Ah, vous, hey, vous avez pas le seum? Vous avez pas le seum d'être supprimé de la. De la. Merde. Bah, tu vas me redonner mon bateau en fait. Tu vas me redonner mon bateau en fait. Ça le supprimer de me. Mojang. Eh, hey, tu me redonnes pas ton bateau, c'est ton pote qui prend. Hein. Je te préviens. Et hop, je change de compte. Yes! Tu peux, dodo? Bah, je suis dans le Nether, Tetra. Je suis dans le Nether. Oh l'enculé! Oh l'enculé! L'enculé! Ah! Dépêche-toi, cours! Non, j'ai jeté mon arc! Non, il est là. Vas-y, vas-y, vas-y. Tire! Ah, mais t'as rien dans les tripes! Merde! Je passe en silence, je vais jouer un peu. Ok, d'accord. D'accord, pas de soucis, Lazare, ça marche. Ça marche, ça marche. Moi, je vais faire un petit détour dans l'aine. Et là, et là, il y a un creeper qui m'attend. Je fais sauter Stronghold. Il y a 50 000 silver à mon cul. Ça, ce serait vraiment typique de moi, ça. Ah oui, du coup, c'est ça les coffres. Avec tous les blocs qu'il y a. D'accord. Je vois. Wow, une barre de co, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Une barre de co. Tu peux pas test. Tu peux pas test. Bon, alors. Du coup, est-ce que c'est là? C'est les seaux d'eau. C'est les seaux d'eau. C'est les seaux d'eau. Ça va, ta côte? Tranquille. Tranquille. Impeccable. J'adore ma co. J'ai pas de quoi te faire un cadre donc oh ça va, il y a encore des coffres. Alors ça va être très simple. Merde. Yaya et Matt 2016, bonjour, bienvenue à toi du coup pour Viking Survivor épisode 12. Donc série survie Twitch, série survie Twitch sur le serveur Ataria. Vous avez posé 50 coffres, bah merci. Voilà. Ça dégage, est-ce que je peux... Voilà, merci. Sans réveiller de Silver, ce sera pas mal. Je sais même pas s'il y a des silver en fait ici et j'ai même pas envie de savoir en fait. Alors du coup, on va les redéplacer un petit peu. Voilà, exactement. Alors, touc. Touc. Alors, touc, 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 touc. Comment ça va du coup, Yaya Mamat, du coup, je sais pas si tu as reçu, je sais pas si tu vois bien au niveau du live, du coup. Bienvenue dans ce live détente sur MC.
Je sais pas si tu connais ce jeu, c'est un jeu magnifique. Que vous n'entendez plus rien d'ailleurs. Partenaire Twitch. Non, je suis pas partenaire Twitch, non. Et encore moins affilié, j'ai pas envie d'être affilié de toute façon, donc voilà. Bien, et toi? Eh ben, ça va très très bien. Ça va très très bien, écoute. Je suis très content de reprendre cette série du coup que j'avais laissé en plan parce que bah, j'avais très vite fait le tour en fait de la série Donc ouais, je suis assez content. Là, je suis en train de, je sais pas si comme tu peux le voir, je suis en train de remplir des coffres de feuilles de chêne pour un projet où on va redécorer toute l'Aisne en fait. On va redécorer toute l'île de l'Aisne, donc l'île principale ainsi que des îles annexes du coup. Qu'on pourra emprunter via les portails. Et du coup, bah, je suis en train de remplir du coup les feuilles, les coffres de feuilles. Voilà, Tetra, tu noteras bien où sont les, où sont les, où est le, la rangée des coffres, voilà, des feuilles. Ici, on va mettre les magnifiques bûches. Toco Laetitia, yo, bonjour, comment ça va? Tu joues au Skyblock Hypixel? Pour l'instant, non, mais si jamais vous êtes chaud, je peux lancer une série si vous voulez dessus, mais ce sera vraiment une simple petite série. Une simple petite série et rien d'autre. On a des perles de Lender ici, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Si tu veux, eh ben, je verrai. Je verrai bien. Nous sommes 5! Nous sommes 5 viewers! C'est incroyable! Quel nombre incroyable! Même si vous ne savez pas de quoi je parle, mais je parle et que vous êtes 4 sur Twitch et que vous dites encore, mais c'est qui le cinquième viewer? Alors que vous n'êtes même pas 4, alors que vous n'êtes même pas 5, mais plutôt 6, avec Lazare du coup qui est parti faire un petit peu de gaming. Je suis trop chaud, il est génial. Ok, donc voilà. Voilà. C'est toi? Non, c'est pas moi. Ce n'est clairement pas moi. Ce n'est clairement pas moi car je n'ai pas l'aperçu du coup de mon live. Du coup, je n'ai que l'aperçu général d'OBS. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu, comme qu'il dirait, un petit silverfish ici, là. Bon, je ne dis rien. Pourquoi je voulais sauter dans l'aine, moi? Je suis con. On retourne tout de suite dans le nether. Alors, j'espère qu'il n'y a pas des pygmènes qui sont aggro. Normalement, non. Ok, c'est bon. Alors je sais qu'il faut farmer de la cobble, donc je sais pas combien on en a, mais s'il en faut, bah j'en ai encore de la cobble, donc clairement je pense que je vais aller en rechercher dans mon village. Voilà. Alors on va y aller. Pourquoi j'ai cassé mon bateau alors qu'il faut que j'aille. Alors attends. Tamir, Tetralox, Lazare. Biome glace, non, forteresse, charbon cobble, je suis où? Je suis là-bas. Perso, je suis toujours là en train de regarder. Ok, le poulet, bah écoute, bah, j'espère que tu l'es bien installé confortablement du coup. Hop, petit 3-6. Me demandez pas pourquoi je fais des 3-6. Attends, parce que par contre, je sais pas du tout où je suis, mais je crois que je suis là. Ah, Tetra qui a perdu de la vie. Hop! Non, c'est pas là. Hop, c'est là! Ah, dépêche-toi! Demi-tour. Non, pas ici. Là-bas. Dépêche-toi. Ça drop des fois. De quoi qu'il drop déjà? Attendez, j'ai des notifs. J'ai 15 notifs sur mon portable! Pardon! J'ai pas très bien compris! Mon Dieu! Petit bateau? Petit bateau? Petit bateau, il a disparu! Souvenons-nous de petit bateau qui nous a quittés. Il est parti dans le fin fond, le stream rip. Non, c'est bon, c'est revenu. Ok, c'était un petit drop de co. Mais du coup, comme je le disais, souvenons-nous de petit bateau qui est devenu invisible. J'espère qu'il re. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Vous pouvez toujours clip, hein. Vous pouvez toujours clip à n'importe quel moment. À n'importe quel moment.
Si vous voyez qu'il y a un passage qui est très 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 drôle, voilà. Un de mes fails ou n'importe quoi, n'hésitez pas à clip. Comme ça, j'en ferai un best-of et je le poste sur ma chaîne principale. Voilà, et d'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à faire un best-of de ma chaîne principale. Enfin, un best-of Twitch, du coup. Parce que ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas sorti de best-of et je pense que bah, ça sera l'occasion, quoi. Parce qu'on a dépassé les 200 abos, donc les 200 abos. On est à 50 abos des 300, donc voilà, quoi. Bon, je vais regarder le stream de Nem, sinon c'est cool ce type de stream. Ok, bah merci, hein. Merci du coup d'être passé, pause. J'espère que ce stream t'aura plu, voilà, et puis bonne soirée à toi, très clairement. Bonne soirée à toi. Voilà, merci toi aussi du coup. Est-ce que je retourne farmer, j'ai plus envie d'aller farmer de la cobble cette fois-ci, donc ce qui va se passer, ça va être très simple. Ah, d'accord, je vois. Alors attends, déjà ça. Alors déjà, il y a des pioches usées et tout ça, donc déjà je vais les prendre. Tiens, une pioche en pierre ici. On prend des pioches, hein. On prend des pioches usagées, ce sera... On fait pas de gâchis. Non, par contre, ouais, je vais quand même garder une hache, ce sera pas mal. Donc on a déjà ces pioches. Est-ce qu'on a une autre pioche là-dedans qui pourrait nous être utile? On a efficacité 3, raccommodage ici. On a efficacité 3, fortune 2, solidité 3. On va prendre efficacité raccommodage, je pense. Ouais, très clairement. Mais avant cela, je suis en train de me demander. Est-ce que, par hasard, mais je dis bien par hasard, voilà, je n'aurais pas... Par hasard, déjà beaucoup de cobble. Oui, je parle de moi, je parle du village comme s'il était à moi. De toute façon, je pense que c'est le cas parce que Speedu ne vient plus sur la survie. Super éponge a quitté le village et Tetra a quitté le village. Voilà, ça, c'est formidable. C'est formidable, c'est formidable. Donc, ouais. Voilà, on en parlera toujours pas de ma coupe de cheveux bien minable, hein. C'est de mon habitude. Alors, du coup, je garde cet arc. Est-ce que je pourrais pas utiliser une épée droit de feu solidité? Ouais, je pense que je vais me prendre une épée comme ça. Ouais, parce que là, je sens qu'au bout d'un moment, mon épée en fer va lâcher. Tout comme mon casque. Est-ce que je ne peux pas remplacer mon casque par hasard? Bah, il y a un protection 3, donc je vais garder le protection 3. Ici, on a un protection 4, je vais garder le protection 4. Oh, mais il y a... Mais j'ai combien de protection 4 dans ce coffre? Bordel de merde! Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, on a du mob, voilà, donc on va le mettre là. Le flemmard 56, salut, comment ça va? Bienvenue. Bienvenue à toi. Ça va, et bah ça va, écoute, et toi, j'espère que ça va, du coup. Moi, ça va très très bien, bienvenue à toi sur Viking Survivor, alias Etheria, du coup. Merci à toi pour... Mais que vois-je? Attendez! Eh, hey, y a un truc qui vient de se passer là, les gens! Pourquoi YouTube a été coupé violemment là? Pourquoi YouTube a été violemment coupé là? Quelle est donc cette supercherie? C'est vraiment bizarre! C'est vraiment bizarre! Attendez, je reviens, les gens, ne bougez pas, que je règle ce petit problème! Ok, relais gens. Alors attendez du coup que je regarde ça du coup. Quoi?
C'est une blague? What the fuck? Ok, bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un stream qui me dit que la connexion a expiré. Ah non, connexion a expiré. D'accord, en fait, il faut que je relance totalement. Mais c'est formidable tout ça. Merci Restream, va te faire foutre en fait. Clairement. Donc est-ce que je relance pour la peine? Et bah oui, je pense qu'il va falloir que je relance. Alors attendez les gens. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais relancer. Du coup les gens, donc je reviens dans quelques instants. Ne quittez pas. C'est juste que bah, y a YouTube en fait qui me fait de la merde. Voilà, donc je pense que c'est, ce n'est pas habituel. Très clairement. Donc je reviens les gens. Ne bougez pas, je reviens dans quelques instants. Et la musique quand tu t'abonnes est un peu forte. Le flemmard, je l'ai réglé du coup. J'ai pu le régler pendant qu'il y avait l'image pause. Sinon c'est bien, et ben merci. Je reviens les gens, ne bougez pas, à tout de suite.